Mbote na balandi nyonso ya Congo Metro Télévision tu rappelera ton midi pourquoi ko bosana te ko s'abonner ko partager pe ko liker pona ozanga ka kolanda basango na biso te na magazine na biso ya chaque lundi mercredi pe vendredi kasi to ko beta na ngonga pona kolaksa ete magazine oza présenté par Bertin Mbundi et Bandi. Tikato ke ndokofongola basango na biso mukoma lelo epai wapi ekamusi batu komona Corneille Nanga asali mama na meeting kasi abeti teni ya ba militaire totala ngone ngile kai kitoko na bilili ya Congo Metro Télévision. Pembeni yake ni camarade Adam Chalwe naye awasalimie. Ministre ya sous-traitant soit talaka makambo ya maimatali ba mino akendaki bongo na otuwele kuna pakende kotalo lenge nini misale zo salima na basiti oezwami na mopanzi ya mboka totala ye ndenga likisaki mouma na ye kitoko na bilili ya Congo Metro Télévision. Directeur général autorité de régulation de sous-traitance na maimatali ba secteur privé kuna wapi tomonie akendaki na site munene epapa kende kotala lulenge nini basala ka mosala pona koeba na maimatali ba mine o ezwami na kibali gold mine o ezabongo moka ba site epai wapi ezwami na professeur Otuwele kuna basala ka na bango tope babongo la ka ba mine o teyebi ba or ba diamant ba coltan pe biloko mususu akendaki kosolola na bango akutanaki na bango masolo le kai kitoko tala yango ndenge le kaki na bilili oyo Nako témoigné que ba Congolais bazana expertise. Seulement que ba pesa ki bango chance. C'est pas le mingi de remercier le président d'abord de la République qui a dit qu'il y a un souci na biso ba jeune congolais pour tous les bénéfices et avantages na katna activité à biso ya mboka. Nous voulons à ce que le DG de l'ARSP puisse intervenir davantage pourvu que les grands marchés que nous étions en train d'exécuter à l'époque nous reviennent encore. Boyende zalaka tata malamu akenda kotala lolenge nini bana ne bazo marché ye peta ki mokonza kitoko akenda kotala to beteli maboko. Makambo sika na mboka na biso tikane bisawe te la pulusu basombi ba drone pona ko renforcer surveillance na musala mango kitoko o basala ya ko battre la population pe biloko na ye total Macheza mabe pona bawewa imotinde pesa maki na ville province ya Kinshasa ete epekisa mina bawewa nyoso ya kukota na komina Gombe epai wapi ya sika eyeto moni la pulusu na biso basombi 5 drone bazo matango ya mwana ba demare vroom ne matili kolo pona ko surveiller batu nyoso tepe bawewa o bazo kota na komina Gombe pe basuki na bawewa te kasi meme ba poro tepe banchofa yoza na kechi kasi oni atango 5 bande ya fufu likolo bakukanga yo lokola poro oyo ache ba fufu likola mutuka basi pileki na ngote bangwana bakangie tolanda detail nyoso na bilili oyo ti ba drone likolo eza drone ya police tomatisi yango na cadre ya nouvelle technologie po permettre biso ba wewa oyo a un moment basi bakiti baza koya meya batetu o balingi ko kolaksa ke bango bazileki mayele na l'etat yango tomatisi biloko wana toza komona bango tango a leki frontière akati ya komi na komi na Gombe tomoni ye deja okomona ata zui nzela ya katikati biso to kontourne toke to kangie eza tango ya mutu na mutu kotosa bibeta l'autorité de l'état doit se faire sentir
ndetina ya opération ya lelo et puis eko kende tina ba mituka mituka ozana visière à la police to tie nouvelle technologie en marche to zali ko mona tango zali ko sala nyamunya muna balabala pe to zali ko kanga yo preuve à l'appui pe to tie yo esike sengeloza to za ko kanga pona nyonso camionnette moko atondi si biloko soki ba makala sali surchargement azako le kanango wapi na gombe omonike na ye moko ayoki soni tango akangani yango wana toza kosenga na population na biso kinoise ye moko nde akopesa prestige ya mboka na ye bapaya oyo bazali koya bamona quand même ke bazone reserve ezali na bazone oyo akokoya po investir aespere mpe ke akoangage bana mboka mais soki totiki biloko ya ndenge wana il faut to décourager baninga oyo baza kotosa te oyo baza kotek image ya mabe ya mboka. Voilà ce que était l'opération. Longonya mingi na la police na biso parce que bolaxi était qui les londe modernisation et que ezongi kito quoi. Banungu etambolaki ete Fifi Masuka azaki interpellé na ville province ya Kinshasa kasi tola ndani ni Congo Metro Television abongisi libiso. Sirikilaki na réseaux sociaux ete Fifi Masuka azaki interpellé na Kinshasa na mosala oya sala kitope ndenge balobaki ete ye azotambusa province kitoko te. Bazo yebisa biso ete ezaki nango mamba lukuta tala ye wana ke na aéroport azozwa vol pona kene na ye kota bandeko kene na mosala kitoko oye asalaka vraiment peuple congolais. Tika biloba loba, tika ba nungu poboe, eza kitoko te. Kosali reputation muninga, eza kitoko te, biso kongo meto television, te bete liyango maboko te, kasi to teleme liyango. Toya insécurité, ezo matakole kana toya dollar, na territoire a Songololo na province ya Congo Central, ba photo o bozali komona, ezali ya mukumbi wewa, ye akufa kibongo tope ba bomaki na nzela kasi selo ba information ba lobi muto o abomaki ye alata ki teni ya ba policier tope teni ya ba mapinga ezo sala pasi komona biloko boye vraiment ba konza mboka boko talika mbo parce que mikolo muti koleka ba bomaki pe lesusu mwana wewe wa moko ezo sala pasi makasi komona biloko ya boye. Na mai matali humanisme pona ba M23 na est ya Congo esengene biso koyeba ete bintu keita wazali mokonza Monisco azanga kiti ya koloba na bilili ya Congo Metro Television totala 23,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'un Congolais sur quatre est confronté à la faim et à la malnutrition, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. La ville et la périphérie de Goma font face à des vagues massives de déplacés internes. À la fin du mois dernier, au moins 104 sites de déplacement ont été enregistrés autour de Goma seulement, accueillant plus de 630 000 personnes. Les cas de violence basés sur le genre et d'exploitation sexuelle ont également atteint de nouveaux records. Pour le seul mois de janvier 2024, 10 400 cas de violence basée sur le genre ont été signalés à travers tout le pays, une augmentation beaucoup plus élevée que pendant les années précédentes. Cette catastrophe humanitaire exige de la communauté internationale des réponses adéquates. Pourtant, en février, le plan de réponse humanitaire du pays pour 2023 restait considérablement sous-financé, avec seulement 40% des 2,25 milliards de dollars requis jusqu'à présent. Sango epanzanaki ete Gibandu Ndungi di wazali bongo comme candidat gouverneur à province Congo Central balobi ye azali beau fils ya Bahati Lukwebo kasi toyo kaye moko Bahati azangi te ya koloba pona kolobela likambo oyo ezo sirikile makasi. Le docteur Guy Bandou dans notre province, quelqu'un qui était inconnu dans notre province, mais Bahati, selon les préjugés, c'est son beau-frère, il a épousé, je sais pas moi. Comme je suis à la source, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population, Neko? D'abord, le docteur Guy Bandou n'est pas mon beau-fils. Il est l'ami et le collègue à un beau-fils que vous connaissez, le docteur Olen Emmanuel Serge. Ce sont mes enfants.
Donc, je peux dire, ce sont des habitués de la maison. À partir du moment où ils ont marié ma fille, donc son ami a marié ma fille, docteur Francine Bahati, donc je peux considérer que c'est aussi mon enfant. C'est vrai que moi, j'ai soutenu sa candidature parce que j'estimais qu'il fallait un autre type de gouvernant. Donc, pas des gens trop politicailleurs, des gens qui promettent sans réaliser, des démagogues. Nous devons de plus en plus quitter cette catégorie de politique. Nous voulons des hommes nouveaux, des gens qui sont des technocrates, qui peuvent servir la nation sans être trop redevables. Ce n'est pas parce que je l'ai soutenu qu'il m'est redevable, non. Je l'ai soutenu parce que j'estime qu'il peut faire quelque chose et vous voyez qu'il est en train de faire quelque chose, il est en train de bien travailler pour la province. Les difficultés sont énormes, ça c'est évident. Les moyens sont limités, les besoins sont énormes, mais il est en train de faire, de marquer ses pas et de marquer en tout cas ses empreintes de la bonne gouvernance. Moi, je peux dire que je suis très fier de sa gestion de la province au jour d'aujourd'hui. Je sais que chacun peut avoir son avis, mais moi, en tant que chevronné quand même de la gestion de la chose publique, vous savez, nous, on ne soutient jamais les mauvais gestionnaires. Partout où nous sommes passés, nous avons toujours été des bons gestionnaires. C'est-à-dire, la bonne gouvernance, c'est notre leitmotiv. Et tous ceux que nous soutenons, ils ne peuvent que s'inscrire sur cette voie-là. Et Guy Bandou, le docteur Guy Bandou, en tout cas, il est en train de faire un bon travail pour le Congo central et vous devriez en être fier. Il peut développer aussi notre province parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant, après une année de son pouvoir, c'est comme si les choses ne marchent pas dans notre province. Mais vous savez qu'il a pris la province dans l'état où elle était et ce n'est pas toujours facile de changer les choses. Ce n'est pas en une année, en deux années qu'on peut changer les choses. Je crois que ce qui est important pour un homme d'État, c'est de dire « j'ai pris la province à tel niveau, moi je la fais avancer à tel niveau et lorsque je partirai, un autre viendra ». Mais c'est ça le processus. Le développement, c'est un processus. Ce n'est pas que par une baguette magique, au bout d'une année ou de deux années, on peut dire « Ok, maintenant nous sommes développés, on a le chemin de fer, on a les routes, on a l'électricité, on a l'eau, on a les logements, tout le monde peut étudier comme il le souhaite ». Non, ce n'est pas en un seul jour, en une année qu'on peut le réaliser. Ce qui est important, c'est de toujours faire un bilan en se disant « Je suis parti du point zéro ». Et je suis au point 5, je suis au point 10, ainsi de suite. Voilà ce qui compte dans la vie d'un acteur politique. Parlons maintenant de votre parti en tant qu'autorité morale. Quelle est la place qu'occupent les regroupements politiques AFDC-A dans votre vie, monsieur le président? Le regroupement AFDC-A et d'ailleurs aussi son sous-regroupement, on peut l'appeler ainsi, notre mosaïque AEDCA, parce que nous avons deux regroupements, nous avons beaucoup de cadres, on était obligé de créer deux regroupements politiques. Donc AFDCA, AEDCA se porte très bien. D'ailleurs, vous avez suivi les résultats de la CENI. Les deux regroupements se trouvent parmi les 5 premiers. Sur les 80, vous savez que beaucoup de regroupements ont mordu la poussière, n'ont pas su franchir le seuil de recevabilité. Mais nous, AFDCA, AEDCA, nous nous trouvons parmi les 5 premiers. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut saluer. Même quand on est méchant, je pense qu'il faut nous juger aux œuvres et je peux dire que nos formations politiques se portent très bien jusqu'à ce jour. Pour vous laisser travailler, monsieur le président, c'est très important parce que c'est une émission spéciale pour vous. C'est comme si les Né-Congo, nous avons constaté actuellement au niveau national, c'est comme si nous sommes négligés. Or, Na Nord Kivu epayi wapi bayimbo ka Congo bazo kima mbangu na likambeteli guerre kasto ka bango nini bazali kosenga bayi oyo bazali nesika ya refuge ezosala passe na motema kasi toka ka même réclamation na bango.
Baimboka basangane ke bele po na kokima bitumba na no kivu kuna wapi masasi zobeta tango midi po kwa bandeko obo zali komona bango bakimi bitumba kasi bazobele la bakonza mboka po na kusenga ete bakonzie boke na biso mawa bobongi selebse sika oto kuvanda kasa natana balobi ata banda kutope bikuke wa mike ya babash ekosunga bango anatanda bazo banda kwa minene uwe malunga po na babata mapoboye tongo midi po kwa mbula ebeta esila kaka na nzoto ezo sala bango pasi pe biso pe kongo meto televizyon tutaki wana esala ki biso pasi bingi komona maramba boye bakonje botala likambo besoin de désabri provisoire depuis notre existence dans le cas les bâches que vous voyez ici c'est le débrouillage de tout et chacun quand ils arrivent ici sauf le gouvernement qui vient de nous donner un petit nombre de bâches à travers les dégâts qui se sont produits à travers les dégâts de tempêtes qui se sont produits à partir du 14 de ce mois. Mais dans tous les cas, vraiment, en tout cas, nous avons besoin d'avoir au moins les bâches qui peuvent couvrir nos huttes. Et vous constatez que les huttes ici sont déjà à l'ambeau, sont déjà déchirées, sont déjà usées. Maintenant, si on peut avoir les bâches qui peuvent couvrir maintenant les hits de tout et chacun ici dans le cas, ça peut soulager. Député national Christian Mwando wazali bongo moko na kata parti politique ensemble au bazali opposant bachaki yende comme mokambi ya liboso totala yango ndenge lekelaki na bilili ya Congo Metro Télévision a komi moto molo ya parti ensemble na niwana député national Christian Mwanda yewana bazalaki mobange na réunion pa yapi balobi tant totali balobi bi apa Moïse Katumbi esengele mutu mubimba azala wana lisusu pona atambusa parti ensemble kitoko kasi kobosa na te bango bazali na ngambu ya opposition et pa yapi bazwaki député Christian Mwanda bachie comme moto molo ya parti ensemble mais ils ont ça qui tourne comme ça c'est dans la réunion ngo ndenge lekela ki na bilila Congo Metro Télévision. Il a été question de travailler sur le règlement intérieur de notre groupe parlementaire. Vous savez que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté la semaine dernière et que ce règlement intérieur a été envoyé auprès de la Cour constitutionnelle pour vérifier sa constitutionnalité. Entre-temps, comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été adopté, il est question pour nous de faire le règlement intérieur de notre groupe parlementaire ensemble, et c'est ce que nous avons fait et nous avons finalisé. À cette occasion également, il a été procédé à la désignation du président du groupe parlementaire. Qui en est le président? J'ai été désigné par mes collègues comme président du groupe parlementaire de l'opposition ensemble. À l'occasion, l'honorable Christian Mwando a donné les objectifs de ce groupe parlementaire et de ce qu'il doit nécessairement faire à la chambre basse du Parlement et donner une certaine assurance à ses collègues. Je crois que le groupe parlementaire a comme objectif d'abord de maintenir la flamme de la population parce que nous sommes quand même les véritables élus, sans contestation, et d'essayer de maintenir le cap pour que l'opposition, la contradiction continue à être présente. Nous serons également les gendarmes des citoyens, les gendarmes de la population auprès du gouvernement et auprès du bureau de l'Assemblée nationale, de manière à ce que tout ce qui est attendu par la population soit rappelé constamment aux gestionnaires, aux gens qui sont au pouvoir, de manière à ce que tant soit peu le pays puisse rester sur de bons rails. Nous allons également veiller à ce que notre constitution soit respectée et surtout que notre constitution ne soit pas changée de manière indue. Réunion au salle Marie Kitoko wapi na kimeno sera ndenge bomoni yango Congo Metro Télévision peut toujours présent tout lakisi. La pulusu na biso atiaki maboko na bato batekaka ba or ya lukuta kasi salaki kitoko makasi parce que boinde tozulinga totala kukubu antiku masodi nde makulu mambu tika na biso mwana mama la pulusu na biso asali musala kitoko ya kocha maboko bato obozomona oyo situ wazana lufila bien chemise ke zongi na pantalon tisi musala na ezalaka kote ke la bato ba ora mabeto pe ko skroke bato kasi la pulusu na biso balala kate toujours lisu nikola lisu bakende kocha bango maboko na biro na bango kasi tika na biso ete baza ebele
dabandaki nanu na ye simande akufunda baninga mususu pona alaksa bango bisika bazwami bango wana depa depa bazoki na escalier malembe malembe bien krakana sima pona kokende kotika ye epa ya bato oyo bakuzwa charge na ye pona kosambisa ye na musala oyo ya kitoko te ye asali longonya mingi na la pulusu na musala kitoko kongo meto television pe toujours présent tozaki wana tozala pe tokotika la toujours wana pona kolaksa biloko ezo sepelisa bayimbo kate to pe pona kolaksa oyo nyoso ezo lekana mboka soin. Magazine na biso mokomalelo esuki nango awa magazine zaki présenté et pa ya Bertin Mbundi toko remercier équipe nyonso ya Congo Metro Télévision Sanik Ntsumbu Mondete Enok Marcus Kakutalo Ndao Manza merci na Tantine Christine Vie pour l'assistance na mokomalelo to bosani pété PDG Tezon Silo depuis les États-Unis bambote na yo bambote pe lisusu na mondeje de Christ ya zaki wana toujours pona kokoche biso to sala musala kitoko kasi tango landa biso ko bosana te ko s'abonner ko partager ko liker pona ozanga kate basanga mokona mokolo tika to betango nga pona ko laksa ete to silisi ngai na bino to kutani mikolo mizali ko ya Kongo metro de masolo ba kolo masolo bazali Kongo metro de masolo Dala eloko akitoko mobange na chaîne oyo trezon tilulu ayeli biso zoe pate kongo ya nifu yango eza lokola cadeau pona peuple congolais to pe pona monde entier kongo metro tv oyo trezon tilulu ameme biso mimela papa nde masolo check